Hello guys, in this video we will see how to delete or erase a user in Ikato database. Non, je plaisante, la vidéo sera pas en anglais. Ce que j'ai oublié l'autre fois de vous dire, c'est qu'il est possible d'ajouter plusieurs droits à un seul et même utilisateur. Prenons le cas de Bebaitikwa. Alors, Bebaitikwa, je le rappelle, est contributeur. Donc, nous allons lui ajouter un autre droit, mais c'est pas la peine non plus de donner le droit d'administrateur à quelqu'un et lui ajouter d'autres droits, parce que quand on est administrateur, on a tous les droits en même temps, c'est inhérent. Voilà, donc nous allons lui donner pardon, le droit de traducteur anglais. Voilà, donc j'enregistre, je sauvegarde. Voilà, donc vous pouvez faire pareil, ajouter les autres droits, auteur de contribution ou de modification, je sais plus trop. Oui, auteur de modification. Donc vous pouvez faire pareil. Donc maintenant nous allons attaquer la partie principale de la vidéo. Nous allons voir comment supprimer un utilisateur dans Ikato. Tout d'abord, vous devez accéder à la liste des utilisateurs. Ensuite, vous cliquez sur l'utilisateur en question. Dans ce cas, ce sera Polo Mulfrid. Donc, pour supprimer Polo Mulfrid, vous n'avez qu'à cliquer sur supprimer. Vous confirmez. Voilà. Et Polo Mulfrid sera supprimer. Donc dans notre liste, vous voulez qu'on ait plus que deux, moi et Bebaitikwa. Voilà pour comment on supprime les utilisateurs de Ikato. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons comment encoder les données dans la base.